Bonjour à tous. 大家好。Bah ouais. Alors. Aujourd'hui, je fais sauter aubergine à couvert. Aubergine à couvert, ça c'est super. Ça se mélange bien, ça. Hein? Oui. Puis c'est, ça a l'air simple. Oui. Rapide. Un petit peu, parce qu'il faut cuire bien. Bien, il faut bien cuire. Ouais. C'est bon cuit, hein. Ça ne va pas être bon. Hein. Et bien pour ceci, il nous faut donc une aubergine, un haricot vert, un petit peu de poitrine de porc, un oignon, du sel, gingembre, de l'ail, de l'huile et de la sauce soja. C'est donc et le coupe-coupe de Shenzhen que tu as caché. Ah ben qui est là, voilà. Le fameux coupe-coupe de Shenzhen. Et bien écoute, je te laisse faire. Hein, on va regarder ça là. Alors, je vais couper les légumes. Je coupe les légumes d'abord. Ok. L'aubergine. Voilà, c'est coupé, c'est tout. Non. Et voilà, ça c'est une chose de faite, l'aubergine. Ouais. Hein. C'est ça, hein. Un petit bâtonnet quoi. Oui. Voilà. Prêt ? Mais un petit peu de sel. Mais ça va, voilà. Un petit peu de sel dessus. Oui. D'accord. Haricot vert aussi. Tu mets du sel aussi, d'accord. Un peu, après le couper. L'oignon. C'est pour toujours moitié. Moitié oignon, d'accord. Je le mets où là? Le gingembre. Très fin, d'accord. Pareil. Tu fais fin aussi? Oui. Tu mets tout. Hein. Que ce soit facile à couper le porc, une heure avant vous le mettez au congélateur qui sera fermé ça un petit peu, puis après ça se coupe plus facilement. Oui. C'est magnifique, tout est coupé. Attendez 5 minutes. Le ciré, un petit peu d'eau, d'accord. Ça aussi. Après, nous allumons le gaz là. Après, tu cuis. Mais l'huile.
la lampe. Un petit peu, parce que tout à l'heure, nous devons mettre un petit peu. Un peu d'eau. C'est pas ces 10 minutes. Oh, ça sent bon, dis donc. C'est chaud et ça sent bon. Voilà. Bah, c'est simple, hein? Oui. Allez, le plus long, c'est les 10 minutes de cuisson, c'est oui, tout. Oui, 10 minutes. Oui. Voilà. Eh bien, je te remercie. De rien. On va passer à la table, hein, parce que t'as faim, toi. Moi aussi. Oui, hein. Oui, oui. Allez, à bientôt. À la prochaine.